pense que remarquable, c'est pas une question d'apparence, de physique ou quoi que ce soit. Et je pense que t'es remarquable une fois que t'es arrivé à ce que tu voulais faire. Être remarquable, c'est sortir, c'est se démarquer, c'est se mettre en valeur par rapport aux autres. Ne pas être forcément le mouton et être celui qui va sortir et être celui, peut-être le futur Bill Gates ou Elon Musk, peut-être. Quelqu'un qui se démarque dans sa façon de penser, d'agir. Oui, tout le monde peut être remarquable, tout le monde peut changer, savoir ce qu'il veut dans la vie, etc. quoi. Je me suis inscrit donc à l'IDRAC avec la journée porte ouverte. Il y a l'année dernière déjà. En fait, je connaissais quelqu'un qui travaille ici, du coup c'est pour ça que j'ai connu cette école et de fil en aiguille j'ai postulé par internet. Je me suis rendue au job dating, etc. et du coup voilà, ça s'est fait très rapidement. Oui, sur internet, dossier de l'école. Il y avait des tests et un entretien et voilà, j'ai été pris. Ah, je suis en alternance, en gestion de la PME, gestion petites et moyennes entreprises. En alternance, parce que bah, ça permet d'allier l'école et le travail et permet d'avoir aussi un salaire. Et à notre âge, c'est pas négligeable. L'alternance, ouais, c'est sympa aussi. Parce que ça permet de mélanger le travail et l'école, donc la théorie et la pratique. Donc, parfait. Et puis, on a un salaire aussi. Que demander de mieux?